savez, cette année, en Chine, c'est l'année du dragon. Mais nous, en France, à Paris, on ne fait jamais les choses comme tout le monde. Pour les Jeux Olympiques, c'est toujours l'année du rat. Effectivement, la ville de Paris offre un spectacle lamentable. Je ne vous parle pas des mendiants qui sont dans les rues, des gens qui sont agressifs, des campements sauvages. On en a même un devant la mairie de Paris qui est super sympa. Hein, ça donne une belle image de la France quand même. Le spectacle qui va donc être donné pour ces Jeux est affligeant. Il est affligeant pour la France, bien entendu. Donc pour tout un pays, parce qu'il faut savoir quand même que c'est tout un pays qui va prendre cela dans sa figure. Hein. Ce qui se passe là, c'est pour tout le monde. Hein, les Jeux Olympiques en France, c'est pour la France. Donc voilà. Et l'incurie des femmes et des hommes politiques est dramatique par les temps qui courent. On a Paris, ville lumière, qui s'est transformée en Paris, ville obscure et dangereuse. Et je n'ose imaginer ce qui va se passer pendant ces Jeux Olympiques, entre juin et juillet 2024, pour les braves touristes qui auront eu le courage de venir jusqu'à la capitale. Cela risque fort de les vacciner définitivement contre un futur séjour en France, tant que cela pourra être ainsi. Il n'y a plus aucune sécurité à Paris, il faut le savoir. Le nombre d'agressions a explosé, la gabegie est partout, la peur s'installe définitivement. Les gens n'osent même plus sortir le soir à la tombée de la nuit de crainte d'être agressés. On parle quand même de centaines d'agressions par jour dans Paris. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est énorme, énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, par exemple, que le chiffre, rien qu'à la Tour Eiffel, il y aurait plus d'une centaine d'agressions par jour. Alors par agression, on entend plusieurs choses. Vol avec violence, agression sexuelle ou viol, menace physique et verbale. Donc c'est tout un panel hein, de l'insécurité que l'on voit ici. On en est là dans une ville qui s'écroule et bientôt il suffira de relire les mystères de Paris pour comprendre le retour en arrière plus grave que nous sommes en train de vivre. C'est que notre drame de Paris, elle est contente. Pour elle, tout va bien, c'est formidable. Les Jeux Olympiques, elle dit même aux Parisiens, ne partez pas, restez, parce qu'ils veulent tous se tirer. Hein. Je veux dire, moi le premier, je ne serai pas là, hein, parce que ça va être dramatique. Alors comme je dis toujours, on est mal, et on est même très mal, et ce n'est pas fini. On a l'impression d'être dans un puits sans fond, où le mal continue de couler là-dedans, et ça vient, et ça ne s'arrête jamais. Quoi. Alors, j'aimerais citer un ami qui est sur Twitter, c'est Maxime, qui a dit « Quand c'est pourri, c'est LFI ». Alors là, il a tout dit en une phrase très courte, c'est magnifique, bravo, j'adhère complètement. Quant à Reporters sans frontières, qui soi-disant défend la liberté d'expression partout, sauf en France, hein, faut pas exagérer quand même, on ne peut pas défendre la liberté en France quand même, surtout pas d'expression, ils s'en prennent à CNews. Alors là, ils veulent censurer les valeurs nationales. C'est la censure bien pensante, c'est au ras des pâquerettes, comme d'habitude, c'est sournois, etc., etc. Le but étant toujours le même, hein, c'est la pensée unique, hein, il n'y a que les progressistes qui ont le droit de citer, c'est le refus d'aimer son pays, ça c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas, et c'est un racisme à l'envers, tout simplement, qui est... facile, puisqu'il y a une sorte de renoncement ou de laisser aller du peuple. Le peuple français qui, actuellement, regarde les trains passer. Mais ces trains-là, ils finiront mal. Vous savez, dans le passé, il y a eu d'autres trains qui ont mal fini. On a vu ce que cela a donné. Et c'est toujours les mêmes gens qui, au nom des libertés, nous suppriment la liberté. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte plus. Bon. J'arrête et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir.